Eh ben salut à tous, donc on se retrouve à nouveau sur Deathgone. Donc c'est parti. On va aller voir. Ah non, ma moto elle est là-bas. 680 mètres, c'est donc con. Donc on va sortir du camp. Donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc notre petite petite vidéo d'Esgone. Donc alors là voilà, donc j'expliquais sur une vidéo normalement qui devrait sortir si tout se passe bien, que j'ai enfin mon boîtier d'acquisition. Donc faut juste que je vois comment publier la vidéo, le son, l'enregistrement et tout. Sinon, donc du coup, je vais pouvoir vous faire normalement du gameplay sur la Xbox One. Voilà. Donc, il faut juste que je m'habitue un peu au logiciel, au boîtier, un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah oui. Donc oui, donc je vais retirer la musique, hein, la musique du jeu, parce que forcément, avec les droits d'auteur, ça va pas le faire. Donc, la dernière vidéo là de 50 minutes que j'ai fait, bah en fait, voilà, j'ai reçu un petit message comme quoi il y avait les droits d'auteur sur la musique qui passait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, je vais retirer les musiques pendant que je joue. Enfin, du moins surtout quand j'enregistre. Ça évitera les problèmes. Donc voilà. Donc pour l'instant, sachant que je monétise pas et que je j'ai pas grand monde sur ma chaîne, hein, voire personne pratiquement, ça cause pas de problème. Ça serait cool qu'il y en ait. C'est bon.
passe partout. On peut pas aller aux toilettes, hein, ça sert à rien. Ouais, tout ça pour ça, il n'y avait pas grand chose. Hein. Ah, voilà, un jerrycan. On va pouvoir faire le plein. Et voilà. Ça doit le faire. Voilà. Cette mission, comment elle se déroule. Donc oui, donc vous avez pu voir sur la chaîne que j'ai réussi en fait à récupérer la vidéo qui s'était arrêtée. Nom de Dieu ! Évitez de me faire des frayeurs comme ça. Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico ? Non, rien. Rien ? Attendez du calme, il me faut du temps, d'accord ? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas, ils exécutent les ordres. Faites tous partie de la même équipe, pour Brian. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un traceur GPS. J'ai besoin que... Le temps presse. Merde, je connais même pas votre nom. Deacon Saint John. Mais écoutez, Deacon Saint John, si vous voulez que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah, alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce talkie. Je vous contacte dans quelques minutes. Vous connaissez même pas mon nom, mais vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement ce talkie. Il m'a pas quitté une seconde. Espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poireauter encore longtemps. Voilà. Allô ? Deacon ? Vous êtes là ? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez quoi ? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal. Il est sécurisé. Vous voulez quoi ? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi ? Pourquoi ? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas ? Impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Disons que des gens haut placés lancent des tas de missions sur le terrain, indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées. Putain, O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons. Ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi, O'Brien. Ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien, terminé. Bon, allez, c'est parti. O'Brien, ouais, je suis là. Qu'est-ce que vous... L'un de nos hélicos se dirige vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre ? Pourquoi ? Allez-y, ne perdez pas de vue. Ok. Qu'est-ce qui se passe, O'Brien ? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land ? Leur destination est top secrète. J'ai pas accès à leur dossier. Donc je peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage, vous devez les suivre. Putain, mais vous avez pas, je sais pas moi, les satellites espions, genre de truc ? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit, je sais pas. Accès, ouais, j'avais entendu. Ne les perdez pas. C'était un petit peu...
petit peu abusé là. Ils auraient pu me l'accorder quand même. La zone de l'hélicoptère. En gros, faut que j'aille en visuel. Ouais, des fois c'est un peu brouillon quand même. Il est où c'était l'écho? Il est là. Qu'est-ce qui se passe, O'Brien? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le No Man's Land? Leur destination est top secrète. J'ai pas accès à leur dossier. Donc je peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Vous devez les suivre. Putain, mais vous avez pas, je sais pas moi, les satellites espions, ce genre de truc? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit, je sais pas. Accès, ouais, j'avais entendu. Ne les perdez pas. O'Brien, ils atterrissent! Bien, j'ai leurs coordonnées grâce à votre radio. Vous feriez mieux d'y aller à pied. À pied! N'oubliez pas, ils ne doivent pas vous voir. Ryan, j'y suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des gros bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok, donc vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats armés jusqu'aux dents qui tire à vue, tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'intello? Un putain d'intello? Espèce d'ignare, on a des doctorats, connard. Ouais, ben ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rat dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés? J'ai pensé à les revendre, mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur leur hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir où ils vont. O'Brien. Inutile de demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. C'est sûrement là. Qu'est-ce qu'il fiche ici, Auguste ?
de terrain 2071. Le contrôle des pièges sur le site 14 Alpha a confirmé la présence d'un sujet mâle de grande taille affichant une mutation albinique. Comme prévu, le sujet arbore une dépigmentation dermique qui est aux yeux rouges. Sa masse musculaire semble être 40% supérieure à celle des sujets infectés standards. Ceux que vous appelez les albinos existent bel et bien. Même s'il ne s'agit que du troisième sujet que nous pouvons étudier, en raison de la force et de la résistance évoquée qui les rendent particulièrement dangereux, d'autres notes de terrain font état de plus spécimens repérés dans cette région. Quelle que soit l'origine de cette mutation, elle se répand rapidement. Bon, bah maintenant, faut retourner à la moto, quoi. Brian. Qu'est-ce qui va pas? Je vais vous dire ce qui va pas. Vos petits copains ont éviscéré un mutant. Il était encore en vie. Ce ne sont pas mes petits copains. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas ce que vous faites, vous autres, drifters? Vous tuez les infectés contre de l'argent. Ou du moins, ce avec quoi vous faites du troc. C'est vrai, je tue des mutants. Mais je les débite pas vivants et je les écoute pas hurler de douleur. Vous avez mes données? Ouais, je vais vos données. Ok, je lance le chargement. Je vous rappelle, terminé. O'Brien, O'Brien. Oh putain, il me refait le coup. O'Brien, répondez. Vous avez intérêt à me recontacter, O'Brien. Bon, voilà. C'était pas... Pour l'instant, c'était pas si difficile. Tiens... Un camp de squatteurs. Ce serait pas les fils de pute qui tentent des embuscades dans le coin? Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Je vous annonce que vous aurez une larme. On déplore 6 morts et 2 blessés dans mon camp cette semaine. C'est pas dû au saloperie habituel. Si c'est le putain de convoi. Je vous le dis. Bonjour monsieur. Je supplie qu'on leur laisse les sauver. Des citoyens de ce pays. Ils les ont massacrés. Les hommes ont riposté. Merde. Tête. Ils ont pâté leur dernier ami, ces enfoirés. Ils vont nous traquer jusqu'au dernier. Nous les connards qui avons eu le culot de survivre et de perturber leur petit projet. Ils nous éliminent pour pouvoir sortir de leur trou de souris. Restez vigilants, les amis. Et surveillez le ciel. C'était Marc Copeland pour Radio Libre. Ne gommez pas les mensonges. Bon, bah voilà. T'auras tué quelques infectés quand même sur la route. Et où l'ours? Voilà, on y est. Ok. On va essayer de voir où c'est que cet ours, hein. J'ai besoin de ferraille. Pas
s'amuser à courir, à essayer de chercher l'ours. C'était une bonne idée, quoi. Ah,
continuons un peu. Ça va arriver en masse, évidemment. Alors, je suppose qu'il faut que je fouille toutes les maisons. Ici, mon petit. Comment je suis censé rentrer, moi, du coup? C'est verrouillé. Ça devrait le faire. Là-dedans. Sans le coup d'arnaque, quoi. Qu'est-ce que t'as fait tomber ? Évidemment, c'était pas... Vous inquiétez pas, je repasserai plus tard pour finir de vous cramer. C'est l'écriture de Lisa, ça? Je veux tout oublier. Ouais, ça m'étonne pas d'elle. Toujours être utile. Une moto. Et voilà. C'est quoi ce bruit? Les hommes approchent! Oh, City!
Ça c'est vraiment pas bon. Faut qu'on se casse ici. On l'a échappé belle. Que je faisais quand le monde a s'ouvert. Ça serait cool, ouais, qu'il neige, qu'il y ait de la neige, quoi. Petite condition climatique assez sympa. Hey, viens voir comment va notre gros flemmard de service. Comment tu te sens, Boozman? T'en as pas marre de traînasser au flemmard? Boozer, hey. Ouais, il va s'en sortir, Schizo. Il a juste besoin de se reposer. Viens avec moi au chalet. Je voudrais te montrer quelque chose. J'ai des trucs à faire. Hé, je prends de gros risques. Crois-moi, tu seras pas déçu du voyage. Écoute-moi, il y a 2 mois... Alors, je vais sauvegarder, voilà. Bah écoutez, on va se laisser sur cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Donc voilà, donc on se retrouve plus tard, à bientôt, ciao.